pour l'instant. On vient pas encore de gardien. Quatre défenseurs jaunes, quatre milieux jaunes et un attaquant. Il y a deux joueurs de chaque côté. Bon, alors, quatre derrière, quatre au milieu et un devant. Et de l'autre côté. Simplement, dans le jeu, on fait. Écoutez. Soyez concentrés dans ce qu'on dit. On fait une conservation de ballon avec le terrain. C'est ça, là. On l'a délimité à 10 heures. Le gars qui passe sur le côté est inattaquable. C'est-à-dire en conservation de ballon. À un moment qui passe sur le côté, en dehors. Bon, voilà, c'est inattaquable. Vous jouez avec lui. Et après, vous sollicitez. Et on va juste à faire une tour. Derrière. Si à un moment. Attends, arrête. Il y a un pressing ici, si tout est bouché. Inattaquable ici. Alors je veux que tu ressortes. Et là on représente. Et là aussi, n'allez pas à 2000 à l'heure. Les gars qui ont le ballon, ils s'écartent, tu veux que ça vous fait là-bas. Et après, on fonctionne avec l'arrêt. Allez, c'est parti. Inattaquable, voilà, t'es encore inattaquable. Conservation du ballon. Ressors là. Attends, t'as le droit de revenir et de repréparer. Allez, c'est parti. Jouez simple. Côté inattaquable. Merci. Ressors là. Voilà, il y est là-bas, merci. Un seul sur le côté, un seul. Ressors là derrière, c'est inattaquable, derrière la ligne. Voilà, couloir inattaquable. Seb, prépare, voilà. Mieux que ça. Ressors là avec le défenseur. Voilà, joue au ballon un petit peu. Bien joué, inattaquable côté. Allez, jouez, Seb, allez, prépare ça. Voilà, tu peux jouer dans l'axe un petit peu, voilà. Joue au ballon. Allez, ressors là un petit peu, ressors là. Dans l'axe, jouez un petit peu dans l'axe. Allez, bien joué, un petit peu dans l'axe, voilà, remets-lui. Voilà, côté, voilà, merci, bien joué. Allez, bien joué. Inattaquable, voilà, côté, mets-toi à le côté. Ah, ressors là, t'as le temps. Reprépare, on va la préparer là-bas. T'es inattaquable, t'as le temps. Allez, ici, allez, lève la tête, inattaquable, t'as le temps. Voilà. Prenez le temps. Ressors là. Défenseur ici derrière la ligne. Voilà, merci, inattaquable. Ressors là. Voilà, inattaquable sur le côté. Allez, ressort encore, prépare.
Voilà, reprépare. Ressort, ressort, il y a le feu. Voilà, bien joué, gamin. Bien joué. Oh. Ça va, s'il te plaît. Et voilà, tu vas faire. Et vous alternez aussi. Et pas que le travail sur l'arrière. Vous alternez le travail aussi à l'intérieur. Pour aller, oh. Pour aller sur la largeur ou pour aller derrière, il faut avoir fait 4 passes à l'intérieur ici. 4 passes avant d'aller sur le. Allez, 3 passes. Je la sens pas, 4 passes. 3, non, vous visez pas. Arrête. Allez, jouez. Allez, 4 passes. 3 passes. 2. Allez, on prend les gamin, arrête. Quand tu es dos, quand tu es toujours dos. Dos. Pense à rien. Joue à une touche derrière. Dos au bout, une touche derrière. Si tu peux. Voilà, deux là. Et celle qui monte. Il y a ta cadavre. Vas-y.
Le jeu sur les côtés, je les oblige par les contraintes et à ce qui est au départ un joueur sur le côté. Après, il y en a un qui rentre, il y a un deuxième pour essayer un petit peu de faire des combinaisons. Là, on va rester sur le même principe, dans ce rectangle-là. On va mettre les gardiens. On va mettre un gardien là au 16m50 et un autre au 16m50. Et pareil, dans la situation, je vais essayer de favoriser le jeu dans les couloirs pour arriver à la fin à du jeu libre. Donc je vais demander à mon on va jouer à 4 derrière, 4 au milieu et un devant. Je vais demander à mon latéral de combiner avec son milieu excentré. Mais pour faciliter la chose, je vais demander au départ au milieu excentré adverse de ne pas défendre pour créer artificiellement le 2 contre 1. Donc on va essayer de remonter, on va essayer de faire des passages dans le dos avec une finition. Le coup d'appui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont travailler cette situation d'un côté, ils vont travailler la même situation de l'autre, mais ils n'auront droit qu'à travailler que sur les consignes que je donne. C'est pas eux qui commandent, c'est l'entraîneur. Et après, dans le jeu libre, ils feront un petit peu ce qu'ils veulent en respectant certains principes. Donc on va essayer de le faire, mais je vais le faire au départ lentement. La situation d'après, c'est le milieu excentré qui va combiner avec le latéral, mais à la fin, le milieu excentré va rentrer à l'intérieur. Il va laisser le couloir au latéral, mais il ne va pas jouer avec le latéral, il va jouer avec un attaquant qui va plonger, ou un milieu excentré qui va plonger dans le dos de la défense. Après, on essaiera de faire des 1-2, puisqu'ils ont fait, là, sans que je demande, après les transversales opposées. Mais je vais faciliter la transversale à l'opposé. Okay. Enfin, je vais essayer. Les deux défenseurs centraux, il va y avoir l'attaquant qui va venir. Donc comme on l'a fait là, on va le sortir. On va jouer d'entrée sur le latéral. Et le milieu excentré adverse, écoutez bien, le milieu excentré adverse ne défend pas. Donc il va y avoir un 2 contre 1 entre le latéral et le milieu excentré. Donc après, vous débrouillez. Passage dans le dos, mais je veux que ça passe par le côté. Et après, on travaillera, on finira sur le but, mais après, on travaillera avec l'attaquant. Mais c'est comme un jeu quand on récupère. Ah oui, c'est le jeu, on passe à travers le jeu. Ok ? Allez, fais quelque chose, allez, fais quelque chose. Allez, et c'est pas facile. Allez, on place, c'est parti, allez, sur le jeu. Ah, sur le poteau, allez, c'est parti. Allez, 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 allez
là, ressort là, ressort là, allez. On a plus de part là-bas, on a plus de part là-bas. Allez, en genou. Voilà, voilà, bien joué, allez, on va sur le... Allez, ressort là, touche, 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 touche. Ressort là, ressort là, ressort là. Allez, on ne peut pas. Allez. Voilà, allez, on peut pas là-bas. Attaque, on peut avoir fait un petit peu dans les...